Bienvenue, très chère. J'ai loupé l'ouverture de l'éventail, t'as vu? Dans ce petit hall maillot de bain, accessoires indispensables d'été, petite robe de plage et petit éventail. Donc en dessous, j'ai pas de maillot, hein, c'est de la lingerie, c'est un sous-vêtement. Parce que les maillots, je vais te les montrer, on va les regarder ensemble et après je vais les essayer. J'ai déjà pré-essayé le petit bazar parce que je voulais pas avoir de mauvaises surprises pour la vidéo. El chapote, accessoires indispensables d'été. Je me tâte à faire toute la vidéo là, tout le petit haul maillot de bain avec le chat. S'il y a un maillot qui te plaît, sache que ce n'est pas une collaboration, donc tu vas payer plein pot. Exactement comme moi quand j'ai passé la commande. C'est un petit modèle dans les tons roses avec les petits détails comme ça. Et la culotte, pareil, elle a le même petit détail. Celui-là, je pense qu'il peut être sympa. Celui-là, avec mon métissage, ma petite, ces petites couleurs, même toi, hein, avec un petit teint caramel, quand t'auras pris le soleil là, 2-3 jours, t'enfiles ça là, pff, merveille. Tout ce qui est bas de maillot, je t'avoue, je suis team coupe brésilienne. Attends, je te montre, regarde pas ma cellulite, voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère. T'as vu, j'ai une tache de naissance, tu l'as remarqué, en même temps, qui ne la voit pas quoi, enfin qui ne la voit pas. Là, il y a que Pépite qui la voit, mais là, je viens de te montrer, donc tu l'as vu. Elle est là depuis toujours, voilà, elle est jamais partie. Je m'approche parce qu'il faut que tu vois le détail, c'est doré. Des petites dorures avec deux petits anneaux, toujours coupe brésilienne. Et le haut, bah attends, tu sais quoi, je le déballe pas, je te laisse la surprise pour quand je vais l'enfiler. J'en achète un chaque année dans les tons verts. Et celui-ci, le modèle dans les tons verts, j'adore le vert kaki. Et celui-là, je m'avance, il scintille. On adore ce petit côté scintillant comme ça. Et la culotte, pareil, je te montre, elle est toute simple, mais ça, c'est valeur sûre. Tu te rappelles le petit maillot brésilien que j'avais mis noir, ben c'est exactement la même coupe et c'est bijoux ça, c'est pépite. Faut que t'essayes, hein. Je te jure, les coupes brésiliennes, faut que t'essayes. Le cintre est cassé. C'est pas moi qui l'ai cassé, hein. C'est arrivé, le cintre était cassé. C'est pas grave. J'annonce, celui-là, je l'ai essayé, j'ai pas aimé, tu me diras. À tout majeur, ce que j'ai pas aimé, c'est la couleur, c'est pas forcément la coupe. Il est réversible. Tu peux, donc c'est un 2 en 1, tu peux le porter à la fois couleur violet, c'est ce qu'il y a écrit là, réversible, et à la fois couleur rose. Tanga toujours. Et là, tu vois, c'est un petit bandeau, voilà. Et pareil, le haut est réversible, donc soit rose, soit noir. Donc les étiquettes, en fait, tu vas pouvoir tout couper, s'il te plaît. Il est magnifique. Ne cherche pas les poils. Hein. Comme j'avais un haul maillot de prévu, je t'avoue que j'ai fait une petite propreté. J'ai été rigoureuse, tu vois, dans l'épilation, aisselle, maillot, tout ça, la totale. Hop, nickel. Alors, il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Je te l'avais dit en live TikTok que j'avais adoré la coupe, j'ai adoré la forme. Par contre, j'ai peur que ce soit fragile. Je vois même pas comment le laver, le maillot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde, j'ai des frisettes. Les frisettes, comme ça, ça m'agace. Je vois même pas comment le laver sans casser le détail des petites perles. Mais t'as vu comme c'est joli. Donc je pense que celui-là, plutôt pour une pool party où tu te baignes pas. Et la culotte tout simple, juste comme ça, petit tanga. Alors qu'est-ce que t'en... Tu me diras à la fin de la vidéo, je compte sur toi pour me dire lequel est ton préféré. Je me cache, je te laisse le suspense. Non, je plaisante, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur de ouf. Attends, j'ouvre l'éventail, je fais ça bien. Je mets le chapeau. Hop là, avec les petites lanières, t'as vu, je fais tout avec toi, hein. Et regarde ça, comme c'est beau, franchement, avec le petit bronzage là, celui-là, je pense que tu vas te l'acheter, je pense que, regarde-moi cette merveille, il est magnifique, hein. Petit maillot brésilien, juste comme ça, je t'annonce, c'est sûr, ce sera mon préféré, la coupe, le confortable, la culotte confortable, tout, ce sera le best. Il est pas mal du tout. Hein. Ce petit doré là, ça change. C'est l'anneau là, j'aime trop. Les deux anneaux sur les côtés, j'aime trop. Attends, j'ai un moustique qui m'a piqué, tu permets, je me gratte. Ce haul, c'est n'importe quoi. Le moustique, je te jure, on est infesté. En fait, on a une haie à côté. Attends, il faut que je te raconte le truc des moustiques, parce que je te jure, ça me rend folle. Là, on est à peine, on est au mois de juin, là. Ils sont en avance depuis le mois de mai, ils sont là. Et en fait, ils sortent en fin de journée, près de la haie, là où on garde la voiture. Et à chaque fois, on se fait bouffer. Mais c'est, je te jure, c'est un enfer. Je sais plus quoi faire. J'ai acheté, je sais pas combien de sprays. Rien n'y fait. Et là, ils sont en train de me dévorer. Ils sont sortis puisque j'aère, parce qu'il y a summer pour qu'ils puissent rentrer et sortir. Sur le côté, ça donne ça. Voilà, avec le bronzage, il ressort de ouf. Hein. T'aimes ? Tu préfères lequel ? Le bleu ou celui-là ? T'hésites pas à mettre tous les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, tu me le mets en commentaire. Si t'as pas aimé la vidéo, tu me le mets en commentaire. En restant poli, d'accord ? Bienveillance. Bienveillance, amour, cœur, tout ça, sur toi.
et sur moi du coup. Celui-là, il est soft, il est tout simple, mais les plus belles choses se cachent dans la simplicité, je pense que tu seras d'accord. J'aime trop la coupe de la petite brassière. Je trouve que ma foi, pour le coup, ça met en valeur la poitrine. Il y a un petit rembourrage, mais tout léger. Là, c'est l'étiquette, hein, ça, donc quand je vais l'arracher, ce sera nickel. Le petit maillot brésilien comme ça. Attends, il y a l'étiquette. Attends, je l'arrange l'étiquette, tant pis, ça fera partie du truc. Et tu vois, le petit fessier comme ça, et j'adore. C'est pile ce que je voulais comme teinte au niveau du verre. Je me gratte, moustique est revenu. Je meurs, je te jure. Pour les gros tétés, je frappe mon sein comme une malade. Ça peut être canon cette coupe-là, tu vois. Parce que vraiment, c'est la coque, tu sais, c'est du tissu. Il y a juste un petit coussinet que tu peux enlever, je crois que tu peux l'enlever. Et ouais, celui-là, il a l'air pas mal, hein. Voilà. Celui-là, c'est celui qui est réversible. Et je sais pas, j'aime pas. En fait, la culotte, j'aime bien, parce que c'est toujours coupe brésilienne. Mais comment s'appelle le... Je sais pas, ouais, je pense que c'est le haut. C'est la couleur. Non, je pense que c'est la couleur. Ça fait fadasse un peu sur moi avec le bronzage. Je le retourne, je le mets en mode rose. Et tu me dis quand même ce que t'en penses. Pas qu'en rose, on tient quelque chose. T'es prête? Regarde. En rose, mais ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est que je peux pas tous les garder parce que je t'avoue, ça m'a coûté bonbon. Donc, il va quand même que je fasse des choix. Moi, je pense, je garde le bleu, je garde le vert et je garde le blanc, tu vois. Le tout premier avec les perles, je renvoie. Trop fragile, j'ai trop peur. Parce que je pense que c'est pour faire des soirées genre rooftop. Mais moi, je fais pas les rooftops et je fais pas les soirées. Donc, c'est pas la peine. Et celui-ci, ben oui, il est sympa. Je vais pas dire non, mais c'est pas un coup de cœur. C'est un coup de cœur. J'ai renfilé la petite robe de plage et j'ai remis mes sous-vêtements classiques. J'avais des colis à ouvrir et du coup, je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Comme ça c'est cool. Comme ça, plus de divertissement pour toi. J'ai commandé des petites mules et je sais pas quoi en penser. Regarde, c'est des petites mules comme ça, ma foi, avec la petite robe de plage. Je vais me reculer pour que tu puisses voir. C'est des... Ouais, si, avec un petit jean là. Après, je me disais que peut-être c'était trop bas et peut-être ça faisait mémère. Mais au final, à 33 ans, est-ce que je suis pas un peu mémère? C'est la question, qu'est-ce que t'en penses? Au final, c'est élégant. Les gros talons, c'est vrai que j'ai du mal, j'en porte plus. Mais au bord de la piscine un peu classe, ma foi, ces petites mules, ça peut le faire. Mais c'est pas un coup de cœur. Alors, je sais pas. Peut-être je peux trouver un modèle un peu plus élégant. Tu me diras ce que tu penses des mules. Ensuite, j'avais commandé des petites tennis blanches. Mais là, déjà, juste comme ça, j'aime pas la matière. Je trouve que ça fait cheap, ça va mal vieillir. Je le vois direct. Donc, tu sais quoi, je vais même pas les essayer. Je vais même pas donner sa chance au produit. Retour à l'expéditeur. Par contre, celle-ci, c'est valeur sûre. Les vrais savent, c'est des Ben Simon. Les Ben Simon, ça, c'est petit tennis de base. Je portais ça tout le temps quand j'étais à la fac. C'est ce que je racontais pendant un live. Donc ça, avec un petit jean, avec un petit short, ça existe dans un nombre incalculable de couleurs. Et en blanc comme ça, je te jure, c'est la base. Donc, je vais l'enfiler. Ouais. Et en plus, c'est pile la bonne taille. Et ça, c'est le Graal. C'est le truc que j'étais le plus pressée d'ouvrir après les maillots. C'est des nouvelles baskets de sport. C'est une petite paire de Nike. Je ne jure que par Nike hein, pour les baskets de sport. Je prends toujours une pointure au-dessus parce que chez Nike, ça taille un peu petit. Et moi, j'ai le pied qui gonfle quand je fais de l'exercice. Donc, je prends toujours du 38 alors que je chausse du 37. Et je te conseille de faire pareil. T'es bien plus confortable pour le sport quand tu prends une pointure au-dessus. C'est une certitude. Je vois même pas encore le modèle. Hein. Oh, pétard. Elles sont trop belles. Attends, regarde. Oh, pétard. Regarde-moi ça. Ce petit... Oh, pétard. Ce jaune-là, fatch. Ça, c'est beau. Demain, on fait une petite séance de sport avec ça. Elles sont magnifiques. Ça me met des étoiles dans les yeux. T'as vu? Eh bien, écoute, ce petit haul est terminé. J'espère qui t'a plu. Si t'as pas aimé la vidéo, ben tu me le dis aussi, dans la bienveillance, toujours, of course. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt.